الو، الو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله ما شاء الله بارك الله. الحمد لله. دونك بارنيلو ألسي هكتوني إن شاء الله من سيرفو با سيرفو با دعنا من بكي كم باريلو كاتوس كاركوتلو كاتوس أو هيدر الله بعنا دونك سيرفو الوليو بهالو نامي أو جاهنقولو كانون تيلي بي نقول جوك مكانتين أو خابونيا سبما بركي فوز سامانين إنكا أو بعنا بباسيلا نامي أوبي أحدوا جماعي أو ورمو خابونيا سبما إن شاء الله بمورو مانين كلا سيرف با قيدرا صريف نعم نعم on voulait te demander comment l'organisation que ça doit faire à Paris le mois prochain le 14 comment ça va passer quoi ok بسم الله الرحمن الرحيم au début je salue tout le monde نعم et je salue toute la communauté musulmane mais spécialement la communauté d'Arake Dara نعم vraiment je suis très content de pouvoir parler avec vous non. De du programme de notre ziyar la journée de Cheikh Sadio qu'on fait chaque année. Cette année-ci c'est la troisième édition. Non. Comment ça se passe cette année-ci? Barakallah, mashallah, il y a des gens comme Cheikh Mahdi Dramé, oui. Avec ses frères et ses amis, parce que je ne veux pas tout citer, mais ils se connaissent. Mm. Ils ont pris cette journée-là en charge cette année-ci, alhamdoulilah, rabbil alamin. Mais il y a quelque chose de très spécial qui est dans cette journée, c'est que, inshallah ta'ala, cette année-ci, on veut aussi parler de l'éducation. Comme vous le savez plus que moi, que toute nation qui a évolué ou qui a avancé dans ce monde-là, c'est de la part de l'éducation. Oui. Mais surtout aussi l'éducation religieuse. Parce que je suis l'un de vous et je sais aussi ce qui passe dans ce monde-là actuel. Mm. On a plus besoin, plus que n'importe quel temps, n'importe quel moment actuellement de l'éducation religieuse. Il y a des gens qui envoient leur enfant à mourir avec l'étudier. C'est une bonne chose parce que أطلب العلم من المهدي إلى اللحد وقال الرسول أطلب العلم حتى ولو في الصين. Non. Même envoyer ton enfant pour chercher le savoir, c'est quelqu'un de très, c'est quelque chose de très bien. Mm. Mais aussi, il faut savoir où envoyer ton enfant. Parce que kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'yatihi. Chacun de nous est responsable et chacun de nous est responsable de sa responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mm. Et il n'y a pas une responsabilité plus grande et plus lourde que l'enfant. Mm. Donc, si tu fais une éducation, il faut faire une éducation avec le hurma. Mm. Parce que aussi, il n'y a pas d'importance si ton enfant est bien éduqué. Est mal poli. Il n'y a pas d'importance si ton enfant est bien éduqué, mais aussi qui n'a pas de hurma. Ça n'a pas d'importance aussi si ton enfant est bien éduqué, mais qui n'a pas de respect pour ses aînés. Parce que, elle a une même l'umam l'akhlaq ou ma baqiyat, zain hum zahabat akhlaq ou hum zahabou. Toute nation, c'est l'éducation. Toute nation aussi, c'est le hurma. Le prophète, alayhi salatu wa salam, si Allah le dit, wa innaka la'ala khuluqin azim. Donc, c'est l'akhlaq avant l'éducation. Oui. Le prophète, alayhi salatu wa salam, à chaque fois, il dit Allahumma inni a'udhubika min ilmin la yanfa' wa qalbun la yakhsha. Donc, la connaissance, c'est bien, mais l'éducation, c'est mieux. Donc, pour cela, moi, j'ai décidé d'ouvrir une école là-bas, mais ce n'est pas une école aussi de sens moderne, c'est une école de sens traditionnel, majlis, pour enseigner les enfants. Enseigner les religions, enseigner le hurma, enseigner aussi à tarbiya ou tarbiya, comme l'a bien dit Cheikh Hadbou. Il a dit qu'avant que tu enseignes, c'est bon d'enseigner l'enfant, mais aussi il y a un autre enseignement qui est plus important, c'est tarbiya ou tarbiya. Il dit que pour enseigner un enfant, il faut la connaissance, mais il faut aussi l'intelligence, mais il faut aussi al-fasaha ou al-bayan. Mais aussi, il faut un tarbiya. Un tarbiya, il faut un siyasa, il faut aussi quelqu'un qui soit aussi qudwa. Qudwa, un exemple devant l'enfant. La troisième chose, c'est tarbiya, c'est que aussi l'enfant aussi ressent l'avancement, et l'avancement, on ne peut pas l'avoir avec l'impolitesse,
l'avancement, on ne peut pas l'avoir aussi à quelqu'un qui croit qu'il connaît tout, or qu'il ne connaît rien. Nous, les Wahhabis, ils nous ont fatigués, ils ont fatigué nos enfants, et ils sont en train aussi de détruire nos enfants. Donc, il ne faut pas qu'on accepte ça. Nos grands-parents n'ont pas accepté ça, nos arrière-grands-parents n'ont pas accepté ça. Maintenant que nous, on a eu cet héritage-là, on ne doit aussi pas accepter ça. Parce que ça, c'est des bid'ah que les gens amènent. Donc, il ne faut pas accepter aussi que nos enfants soient aussi égarés. On est en train de le voir. Donc, c'est pour tout cela que moi, personnellement, j'ai décidé de faire ce majlis-là, Inch'Allah ta'ala, et que j'invite tous les enfants, tous les dahas qui ont amené les enfants là-bas, c'est à Diofio. Donc, ils ont aussi des avantages énormes avec nous. C'est que ma femme, c'est une dahaké, soit c'est leur tante, soit c'est leur grand-mère, soit c'est leur sœur. Donc, il n'y a pas de dépaysage là-bas. Ils sont chez eux. Deuxième chose, moi, je veux former Gilles, je veux former une génération. C'est eux qui vont former, demain, c'est eux qui vont former tous les gens qui vont former à Touba. C'est très important. Alors, c'est très important. Ouais. J'attendais. Allô? Allô? Oui, oui. Oui, j'ai dit que on va former une génération qui va être elle-même la génération qui va former la future génération là-bas à Touba ou partout où il y a les Dahankés. Ah, c'est bien. Parce que moi, ce que je veux, je veux pas beaucoup de gens, mais je veux des gens qui vont savoir être des gens de qualité. Oui. Qui vont faire le Hibr al-Qur'an, qui vont mémoriser le Coran. Et après la mémorisation du Coran, c'est des gens qu'on va envoyer en Mauritanie pour apprendre tous les restes de sciences de l'ilm, que ce soit fiqh, que ce soit al-hadith. Donc, pour ne pas aussi prendre beaucoup de votre temps, c'est ça en résumé, c'est ça notre objectif, Inch'Allah ta'ala. Et aussi, continuer la relation qui nous lie, nous, la famille Cheikh Nachef Tadbou, avec vous, les Diaha, d'une manière générale. Parce que c'est une relation qui est très importante et c'est une relation qui a perduré avec le temps. Wallahi. Et c'est une relation, ce qu'il a fondé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit aussi toujours, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le Coran c'est important et éduquons-nous nos enfants. Oui. Et moi, Inch'Allah ta'ala, je dévie ma vie, je donne ma vie à Allah subhanahu wa ta'ala, mais je donne aussi ma vie aussi pour aider les gens à mémoriser le Coran, à aussi apprendre leur religion. Allah mais Allah. Je commence d'abord par les Dahankés, parce que c'est eux qui m'ont bien adopté, parce que aussi c'est ma belle famille, parce que aussi, tabarakallah, mashallah, abna'u salihin wa abna'u l'awliya. Allahu Akbar. Allahu Donc c'est ça qui fait que vraiment je suis content de parler aujourd'hui avec tous les Dahankés qui m'entendent à travers votre antenne, que je les remercie, que je les vraiment... Je l'ai dit, tabarakallah, mashallah, ma alim tu vie min sou. J'ai jamais vu un djihad qui est mauvais, moi personnellement. Allah même s'il y en a, moi je ne l'ai jamais vu. Mashallah. On dit qu'aussi, ma shahidna illa ma alimna wa ma kunna al-qaybi hadri. On dit ce qu'on a vu, c'est ce que j'ai vu. Shukran. Tabarakallah, mashallah. Lorsqu'aussi on est parti à Touba aussi cette année-ci, ils nous ont montré tout cela. Je remercie tout le monde, parce que. Vous êtes tous pareils. Mais aussi, je remercie très particulièrement Mohamed Drami. À travers lui, je remercie aussi tous les autres amis, tous les autres frères. Mais je remercie aussi très vivement ma belle famille à la tête, Mohamed Majoria, qui est mon beau-père. Je le remercie très fort. Je remercie aussi ma belle-mère. Je remercie aussi ma femme Allah et tous les soutiens qu'ils sont en train de faire. Mais à travers eux aussi, je remercie tout le monde. Masha'Allah. Parce que aussi, le prophète alayhi salatu wa salam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا الْعَالَمِينَ. Moi, je suis quelqu'un, si je suis avec vous, je suis avec vous dans la vérité, dans la droiture, dans quelque chose que demain, on dit que الْحَقُّ يَعْلُو وَلَا يَعْلَى عَلَيْهِ. C'est la vérité qui perdure, c'est la vérité qui continue. Les mensonges, tu peux mentir à une nation quelque temps, pour quelques moments, mais tu ne peux pas mentir à une nation tout le temps et tout le temps. Donc, tabarakallah, mashallah, c'était ça que je voulais dire. Ouais. Et vraiment, je suis content. Moi aussi, je suis très, très content avec Kaïdara, vous là. Franchement, votre mot là, ça m'a soulagé là. On te demande pour faire du droit pour nous.
c'est Touba, Karantaba, avec tous les Dakankais, tous les musulmans, inshallah. إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، آمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، آمين. إياك نعبد آمين. وإياك نستعين، آمين. اهدنا آمين. الصراط المستقيم، صراط آمين. الذين أنعمت آمين. عليهم غير آمين. المغضوب عليهم ولا آمين. الضالين. آمين. ربنا آتنا آمين. بالدنيا حسنة آمين. وبالآخرة آمين. حسنة وقنا آمين. عذاب النار. آمين. اللهم آمين. وجهنا آمين. إلى آمين. الخير أينما آمين. وجهتنا، آمين. واجعلنا آمين. مباركين آمين. أينما كنا. آمين. يا آمين. حي يا قيوم آمين. يا ديان، أنت آمين. الذي عبدك آمين. لا يهان. آمين. اللهم صل وسلم آمين. على سيدنا آمين. محمد آمين. وعلى آله وصحبه وسلم آمين. تسليما. آمين. اللهم صل على سيدنا آمين. محمد آمين. الفاتح لما آمين. أغلق والخاتم آمين. لما سبق، آمين. الناصر آمين. الحق بالحق، آمين. والهادي إلى صراطك آمين. المستقيم، آمين. وعلى آله آمين. حق قدره آمين. ومقداره العظيم. آمين. سبحان ربك آمين. رب العزة عما آمين. يصفون، آمين. وسلام آمين. على المرسلين، والحمد آمين. لله رب آمين. العالمين. حمدا كثيرا مباركا. شكرا آمين يا رب العالمين. شكرا شكرا. الله بارك الله يخليك. فيك، بارك الله فيك، شكرا. بارك الله فيك يا أخي. يلا يا شكرا. فريمان لو كونتون. ميرسي ميرسي. ألو. ألو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله. ما شاء الله بارك الله. الحمد لله. دونك بارينلو على صحتك إن شاء الله. ننصرف با ne sirofu ba be nga min be ke kam pare lo 14 karkoto lo 14 awa haydara la be nga donc sirofu ale wali be halo ngame awa jahangulo kanun tele bi ni wala jok makante awa khabunya se be ma pour que fon sa manine ka awa be nga be passer la ngame ou bien ahdwa jamaa awa wolmo khabunya se be ma insha Allah be moro manine kala sirofu ba haydara Sharif. Naam, naam. On voulait te demander comment l'organisation que ça doit faire à Paris le mois prochain, le 14, comment ça va passer, quoi. Ok, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au début, je salue tout le monde. Naam. Et je salue toute la communauté musulmane, mais spécialement la communauté d'Arake, Diara. Naam. Vraiment, je suis très content de pouvoir parler avec vous du programme de notre ZIAR, la journée de Cheikh Sarko, qu'on fait chaque année. Cette année-ci, c'est la troisième édition. Comment ça se passe cette année-ci? Barakallah, Mashallah, il y a des gens comme Cheikh Farmadi Dramé, oui. avec ses frères et ses amis, parce que je ne veux pas tout citer, mais ils se connaissent. Ils ont pris cette journée-là en charge cette année-ci, alhamdoulilah, rabbil alamin. Mais il y a quelque chose de très spécial qui est dans cette journée, c'est que, inshallah ta'ala, cette année-ci, on veut aussi parler de l'éducation. Comme vous le savez plus que moi, que toute nation qui a évolué ou qui a avancé dans ce monde-là, c'est de la part de l'éducation. Oui. Mais surtout aussi l'éducation religieuse. Parce que je suis l'un de vous et je sais aussi.